Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre, vous montrer un peu le niveau que j'ai augmenté selon les époques. J'avais déjà fait un tuto avec un loup, comment dessiner un loup. Ici, on va voir qu'est-ce que ça donne depuis quelques années pour voir si je me suis amélioré ou pas. Parce que j'ai vu que ma première vidéo avec le loup, bizarrement, les gens aimaient bien. Pour moi, je trouvais que c'est pas terrible comme dessin, mais bon. Les gens ont l'air de bien aimer. Bon, après, le but, c'est surtout d'aider à savoir dessiner ce genre de loup. Donc ici, on va voir qu'est-ce que ça donne si j'essaie de le refaire et voir si j'ai mieux expliqué. Donc on va un peu refaire comme l'autre pour voir, c'est pour moi et pour vous, pour mieux voir l'idée, comment je vois, on pourrait redessiner. Donc on va refaire la même chose, mais on va voir si je me suis amélioré ou pas. Et en même temps, je vais vous donner peut-être quelques astuces qu'on m'a appris, donc des petites, c'est un petit truc supplémentaire par rapport à l'époque. Ça fait déjà 2-3 ans que ça date de ce truc, donc je me suis dit je vais remettre ça à jour parce que j'ai vu que ça a eu du succès. Et la qualité ici est beaucoup mieux. C'est du 720, 25 FPS pour éviter que, parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon GSM, donc du coup je suis obligé de mettre en 720 au lieu de 1080. Parce que je peux mettre 1080 en 560, 50, je sais plus. Non, c'est. Enfin voilà, je peux mettre plus haut, mais je préfère mettre moins haut pour pouvoir avoir une. Pour pas que ça pompe, parce que j'ai plus que 1 giga virgule et des broutilles dans mon Windows Phone. C'est un Lumia 640 LTE. Et du coup, Microsoft. Et du coup, il faut que j'ai de la place quand même pour jouer. Je sais même pas si je saurais vraiment faire 14 ou 15 minutes ou 20. En prenant en compte ici que je peux dépasser la limite parce que j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir dépasser plus que 15 minutes. À l'époque, je ne pouvais pas dépasser plus que 15 minutes. Et c'était bien ça le petit problème. C'est pour ça que j'essayais de me dépêcher à chaque fois. C'est parce que je devais me dé je pouvais pas traîner, quoi. Donc aujourd'hui, c'est simple. On va essayer d'apprendre de retour. Comment redessiner un loup. Donc c'est simple, on va essayer. Hein. Donc par exemple, et comme vous voyez, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus pratique pour moi. Donc on va réessayer. Et il faut prendre en compte que j'ai pas d'aide là. Hein. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas. Je ne sais pas du tout. Bon, bien sûr, ça va être un peu distordu de votre côté, c'est normal. C'est parce que le truc n'est pas très. D'ailleurs, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vous montre comment je m'y prends maintenant en fait. C'est pas forcément qu'un tuto, c'est aussi pour vous montrer comment je me suis amélioré par rapport à l'époque. On va voir si j'ai fait vraiment une différence par rapport à l'époque où j'avais un niveau beaucoup plus bas. Donc on va essayer ça. Hein. Donc ici par exemple, j'avais expliqué comme quoi que pour faire la tête, donc je vais faire une tête de face aussi pour remémorer. J'avais dit que faire la tête c'était comme ça, donc à ce niveau-là. Mais le truc c'est qu'il y a des choses qui ont un peu changé. C'est par exemple ça. On va voir, on va essayer. Hein. On va voir un peu. Donc ici pour le moment, on fait un peu comme j'avais expliqué la dernière fois. Mais ça peut être foiré. Hein. Ça peut être foiré. Donc pour le moment, ça ressemble à rien. Vous pouvez confirmer. Hein. Pas de souci. Donc j'avais dit après ici en zoomant, mais ici je ne sais pas zoomer parce que. Enfin si je peux peut-être. Je peux zoomer peut-être. Ah si je peux. Bah, je savais pas. Enfin si je savais, mais je n'osais pas en fait. Donc ici on va zoomer du coup un peu. Je vais vraiment zoomer le mieux que je peux pour bien que vous voyez. Mettre ça au centre. Donc ici, vous étonnez pas si la qualité est un peu plus bizarre, c'est parce que j'ai zoomé. Donc ici par exemple j'avais dit comme quoi on faisait ça. Donc on faisait une rejointure. Et à cette époque-là j'avais même dit qu'on faisait comme ça. Donc on va faire pareil. Hein. Donc rappelez-vous, vous avez beaucoup été à commander comme quoi je me débrouillais bien. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Parce que pour moi, j'ai pas un niveau de fou en dessin.
J'ai encore beaucoup d'apprentissage à faire. Donc désolé si je fourche un peu quand je parle. Mais voilà. Et si j'avais dit comme quoi... Bon, à l'époque, je faisais ça après. Mais ici, pour une fois, on va le faire en premier. Voilà. Donc vous voyez déjà ici c'est mauvais, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va faire une truffe un peu mauvaise. C'est comme ça aussi que je me prends maintenant, c'est que je ne vais pas forcément au bout du truc. Je vais un peu plus près du truc pour pas que ça soit trop... Donc par exemple pour moi ça c'est largement suffisant pour le corps de l'arrière de l'animal. Bon, après c'est pas terrible ici parce que j'ai du mal, mais ça se modifie. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que je me suis amélioré ou pas? On ne sait pas. Donc vous inquiétez pas, après je vais... Parce que ici c'est vrai qu'à cause du zoom, ben, ça peut être assez... Ouh, pardon. Ça peut être assez moche en termes de qualité, mais on va modifier. C'est pour que vous puissiez voir quand même ce que je fais, sinon ça ne nous regarde pas. Il faut se dire qu'à l'époque j'avais qu'une tablette Lancôme toute pourrie qui pouvait filmer que en 700, en 480 pardon, pas en 700, et en plus en mauvais 780. C'était vraiment du style à VHS. Et maintenant j'ai beaucoup plus j'ai un Windows Phone qui peut filmer en haute résolution, donc c'est normal que je fais autrement hein. Après oui ça va, je foire un peu parce que il faut prendre en compte que je suis assez loin par rapport à la norme de enfin non j'ai déconné, je suis assez loin tout simplement hein. C'est normal puisque il y a Windows Phone devant moi, donc je suis obligé de faire de la place, donc le dessin n'est pas près de moi au pixel près, je veux dire hein. Je suis un peu éloigné hein. Je suis à quelques mètres, quelques distances, pas quelques mètres, je suis pas à 1000 mètres non plus, mais j'ai 1000 mètres donc les yeux, mais bon je veux dire je suis pas hyper proche non plus. Déjà ici il y a un gros défaut. Pour ma part, ça me plaît pas. Donc regardez qu'est-ce que je vais faire. C'est, vous voyez, ici automatiquement, je corrige mes défauts parce que vous voyez ici à ce niveau-là, je trouve que la truffe était trop. Il y avait trop d'espacement en fait. Et du coup, là, tout est faussé. Voilà pourquoi je vous dis que j'ai changé un peu. Je suis un peu plus. Je fais plus attention maintenant quand même. Même si qu'après ça a peut-être pas forcément changé à 100%, mais voilà. Par exemple, je vais prendre plus de temps à faire ça. Les yeux, on les fait comme on l'avait fait l'autre fois. Bon, là il est un peu poiré au niveau des yeux. Mais ça c'est moi. Hein. Vous vous rappelez quand j'avais dessiné, j'arrêtais pas de foirer les yeux. Et ça va encore recommencer ici à mon avis. Parce que j'ai du mal en fait. En fait, c'est aussi à cause que je dois filmer en fait. Il faut prendre en compte que comme je dois filmer, je suis un peu. Je suis pas bien mis en fait par rapport à les habitudes, comment je me mets. Je me mets beaucoup mieux, je suis beaucoup mieux mis. Enfin voilà, ça joue aussi, ça, il faut prendre en compte. Donc ici vous prenez en compte en fait ici le truc, c'est une technique que je fais depuis quelques années, mais c'est pour savoir un peu le niveau de proportion, donc au niveau où je pourrais mettre
des poils, donc je pense que ici c'est bon. Donc vous voyez, c'est pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, c'est pas terrible. J'ai pas vraiment évolué, hein. C'est quasiment presque le même. Si j'y arrive pas parce qu'il faut que je... C'est quasiment presque la même chose qu'à l'époque. C'est dommage, hein, j'ai pas vraiment évolué apparemment, mais bon. Pourtant, je fais de mon mieux, hein, pour évoluer. Donc, au niveau des oreilles. On rend compte que je peux toujours supprimer ça pour remodifier sans arrêt, mais le problème c'est que j'ai du mal avec. Je suis obligé de faire ça, je suis vraiment navré, mais c'est le seul moyen. Vous devez comprendre que il faut bouger un peu de trucs dans l'SP Painting, on bouge beaucoup les trucs justement pour pouvoir avoir plus facile. Et si je veux vraiment réussir ici, je suis obligé de faire ça. Vous comprenez pourquoi, regardez. En termes anatomiques, c'est déjà un peu plus mieux. Et sinon, il n'y a pas moyen de réussir ce que je voulais faire, ce que vous venez de voir. Il n'y a pas moyen. Le seul moyen de réussir, c'est de faire comme j'ai fait. Donc ici, on va faire des sourcils, on va pas se casser la tête. Ça fait style furie, machin. Parce que je suis furien. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un furien, donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le furie. J'aimerais bien d'ailleurs un jour avoir mon propre fursuit. Bon, je le trouve un peu... pardon. Je le trouve un peu gros. Je sais pas, il a un peu grossi comme ça, le loup. Il a un peu grossi au niveau de ça. Je sais pas. En fait, ça, j'arrive jamais à le faire, en fait. C'est... Toujours, je fais toujours un mauvais truc. Je sais pas comment le faire. Je sais qu'ici je peux faire ça. Alors du coup, ça veut dire que ça doit être là. Mais pourquoi ça rend si gros, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je peux pas expliquer pourquoi ça fait qu'il donne un air aussi gros. J'en sais rien. Vous voyez, malgré tout, j'ai pas changé, j'ai toujours un niveau moyen quand on dessine. C'est pas waouh quoi. Je vois pas de différence, moi, en tout cas par rapport à celui de l'époque. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Je le trouve pas terrible, sincèrement. Il y a un truc qui cloche, je sais pas, j'arrive pas à trouver. Mais il y a quelque chose qui cloche dans le dessin, mais. Pas moyen de trouver moyen de corriger le problème c'est ça, c'est comme j'ai dit hein. C'est là, c'est trop mauvais. C'est déjà mieux.
Là, on dirait un extraterrestre buggé. Je sais pas si je vais faire l'effet de outre en fait. Je peux très bien faire comme ça et c'est bon quoi. Oh, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si c'est obligatoire l'effet de truc qui dit. Peut-être un peu, ouais, pour l'effet de dépassement. Alors je fais comme ça. Voilà. Pardon. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? C'est encore en cours là. Voilà, bah ça donne ça, hein, plus ou moins. Je sais pas si ça donne une différence par rapport à celui de l'époque. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? J'en sais rien du tout. Je vois, moi je la vois pas en fait. J'ai du mal. Des difficultés pour voir si j'ai progressé ou pas. C'est à vous de me le dire. Est-ce que ça, il y a une petite différence par rapport à l'époque quand j'avais fait l'autre dessin, ou est-ce que ça ressemble carrément à la même chose? Voilà, qu'est-ce que ça ressemble? Non distordu, hein. Parce que la tonsure c'était quand même assez bien distordu, donc voilà, vous voyez un peu le dessin à quoi il ressemble. Après, on va peut-être mettre des ombres si vous voulez pour donc l'effet de lumière, on va dire qu'il est là, donc ça va faire ça. On va mettre peut-être des ombres si vous voulez, donc des ombres par exemple, c'est ça, hop, voilà, ouais, qu'est-ce que ça donne. Oula, c'était bizarre. Oui, alors après, j'ai pas des bons crayons, hein. Il faut prendre en compte que j'ai des crayons qui sont pas terribles. Donc, c'est pas facile de donner des effets propres comme prévu, hein. On va essayer d'accélérer tout ça.
colorier bien, bien qu'on voit les différences. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bof, l'effet que j'ai fait là pour bien voir les ongles écartés. Je sais pas.